La pluie s'est arrêtée et les notes ont commencé à résonner. Dans le parc de Blossac, le groupe Barquette de Fraises va faire danser petits et grands. Depuis longtemps, la formation enchante les enfants, un public qui répond toujours présent. Ils se lâchent plus facilement, en fait, ils n'en ont rien à faire de la façon dont on les regarde. Donc, vous voyez, ils dansent un peu comme ils le sentent, en fait. Et c'est ce qu'on perd quand on grandit, je trouve. Et c'est pour ça que c'est génial de les voir comme ça, quoi. À quelques mètres, la pelouse du parc devient table de pique-nique. Cet été, pandémie et guerre n'ont pas disparu, mais les festivals ont parfois réussi à les tenir un peu plus éloignés. Et c'est vrai que c'est avoir tout le monde se promener, les enfants, c'est génial, quoi, voilà. Un concert sans contrôle, sans fouille, sans... Non, c'est bien, c'est agréable. Eux sont experts en détente, justement. Les 9 membres de Pierre et Fils ont retrouvé le grand air pour s'exprimer à nouveau. On passe un super été, ça fait vraiment plaisir de retrouver la scène et de pouvoir refaire de la rue tous ensemble. C'est vrai que quand il y a des publics, c'est plus facile que par exemple de jouer devant un arbre, par exemple, ou un caillou. En fanfare, les soirées de l'été à Poitiers se sont achevées. À une semaine de la rentrée, la fin d'une parenthèse enchantée.